Here at the European Parliament, the issue of religion, religious freedom is also on the agenda. Let me just mention two things. First, last week there was a seminar on religious freedom in Strasbourg during the plenary session. Cardinal Peter Turkson, who is the president of the Pontifical Council for Justice and Peace, emphasized in his speech, among the other things, that the governmental and legislative measures in securing the freedom of religion practices. Second, there is a working group of religion of there is a working group of freedom of religion or belief, which is obviously working explicitly on these issues. One of the purpose of this working group is to create awareness of the religious freedom and its importance as a basic part of the EU policy. So, my role here today, my name is Hannu Takkula, I'm member of the Liberal Group, and I'm member from Finland, and my role today is here to be the moderator of this our seminar. And now I would like to introduce our guest speakers. So, Richard Preski is the president of CRIF. So, if I understood that correctly, it's a representative council of the French Jewish institutions. And then we have Mr. Hassan Halgoumi, imani of Tracy near Paris from France, and then Rabbi Menachem Margoli, director of the European Jewish Association. So I think that now it's time to give floor for our first speaker, so Mr. Richard Preski. We'd like to mention there will be translation from French to English. Okay, that's one thing. They're going to be the translation to French and English, so you can... Right. Yep. It's a channel too. I think that both of us, Imam Shabgoumi and myself, will speak in French. Okay, that's fine. So French is still an official language in Ethiopia. Yeah, at the moment. Yes. And I hope it will remain for some time. Mon nom est Richard Prasquier, je suis le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Je suis très heureux d'être là parmi vous et je suis aussi extrêmement heureux d'être là avec mon ami Hassan Shabgoumi, qui est imam de Drancy, qui est le président de la conférence des imams de France, et qui revient d'un voyage en Israël dont il vous parlera, et qui est, la personnalité exemplaire en France de ce que les relations entre juifs et musulmans doivent être parfaitement harmonieuses, et que la fraternité et l'amitié entre les uns et les autres sont un objectif que nous devons poursuivre, et pour cela nos ennemis sont des ennemis communs, et nous devons effectivement lutter contre eux dans un esprit qui évidemment est celui de la liberté religieuse et qui est aussi celui de l'esprit des lois en Europe, et puisque nous sommes en France, notamment de ce qu'elles sont en France. Si vous le voulez bien, je vais commencer quelques minutes par une réflexion sur la situation de ce qu'en France on appelle la laïcité, mais disons de façon plus générale le sécularisme qui s'est développé en Europe et qui est la marque particulière de l'Europe et qui est souvent assez... dont il faut, je pense, que nous comprenions qu'elle est parfois difficile à comprendre parmi les gens qui viennent d'autres traditions que des traditions européennes. L'Europe est aujourd'hui un continent où la liberté religieuse est un des droits fondamentaux de l'individu. Ça n'a pas toujours été évidemment le cas. L'Europe s'est construite sur des bases religieuses,
Et si dans les conflits entre les religions, par exemple entre les catholiques et les protestants, ont continué jusque, en gros, le traité de Westphalie en 1648, à la fin du XVIIe siècle, en 1685, les protestants ont été chassés de France par le roi Louis XIV, et l'idée de la liberté religieuse est une idée qui s'est développée uniquement au XVIIIe siècle avec les idéologies des Lumières. C'est à cette époque que, en France, avant tous les autres pays, les Juifs ont été émancipés en 1791 et qu'ils ont obtenu les droits égaux à ceux de tous les autres citoyens. Comme vous le savez, c'est une évolution qui est survenue dans les autres pays européens également au cours du XIXe siècle et pour certains pays européens assez tard dans le XIXe siècle. Ce qui est apparu dans le courant de cette idéologie du progrès qui a été celle des Lumières et l'apparition de religions séculières, que ce qu'on a appelé des religions séculières et qui ont été des idéologies collectives qui ont pour certaines entraîné le monde dans des catastrophes. Le communisme, le marxisme a été une de ces idéologies séculières qui a marqué le XXe siècle. Et bien entendu, parmi les autres, le nazisme a été la plus dramatiquement grave. Ce sont des idéologies qui sont, d'une certaine façon, nées d'une évolution démocratique. Et chacun sait que Hitler est venu au pouvoir par des élections démocratiques. Ce qui s'est passé progressivement dans cette idéologie séculière a été une diminution de l'influence religieuse à l'intérieur des pays européens, mais cette diminution de l'influence religieuse est devenue particulièrement marquée et importante, je pense, dans la plupart des pays européens, en France en tout cas. Il y a relativement peu de temps, elle a subi une accélération dans les années 1970, où l'influence religieuse, qui était une influence non pas sur la politique, mais sur les idées sociétales, et qui était très très forte à l'intérieur des individus, sur les valeurs sur la façon dont devait se constituer une, par exemple, les familles, les mariages, etc. Cette influence des religions a diminué très nettement, c'est très clair pour la religion catholique en France, disons depuis les années 1960-65-70. Le phénomène a été appelé en anglais parfois unchurching. Et le philosophe français Marcel Gauchet l'a appelé la sortie du religieux. En même temps que cette sortie du religieux, est apparue également la disparition de l'influence des idéologies collectives qui avaient marqué le siècle, et notamment la disparition de l'influence du marxisme, qui a correspondu à peu près à la même époque. Tout cela a créé une espèce de vide pour les espoirs collectifs d'une part, et une espèce de vide pour un monde mu par des valeurs transcendantes, par des valeurs suprasensibles, ce que l'on appelait parfois l'hétéronomie. Et cette espèce de vide, forcément, qui était aussi l'apparition et la mise en exergue de l'individu et des besoins de l'individu lui-même, a entraîné des réactions et des recherches des implications dans d'autres traditions religieuses, par exemple certains mouvements pentecôtistes ou autres dans les traditions chrétiennes, et aussi le renforcement de l'islam, cet islam qui était numériquement extrêmement peu important en Europe et qui est devenu de plus en plus important avec l'évolution de l'histoire de ces 40 dernières années.
Aujourd'hui, l'islam est la deuxième religion de France, très nettement, et comme notre pays ne permet pas de statistiques religieuses, nous n'avons pas de chiffres exacts. Moi, je suis personnellement très attaché à l'absence de statistiques religieuses, puisque je crois que faire des statistiques religieuses, ça fiche les individus dans une certaine identité. Or, un individu peut avoir plusieurs identités, peut changer d'identité et se bricoler différentes identités. Et je suis donc très partisan de conserver cette particularité qui est une particularité française, puisque la France a cette laïcité qui repose sur la loi de 1905 de séparation entre l'Église et de l'État, et qui est une laïcité qui pendant longtemps est une laïcité de combat, mais que l'on essaie de transformer en laïcité de coopération. Aujourd'hui, donc, suivant les évaluations, environ 5 à 6 ou peut-être un peu plus, personne ne sait, et de toute façon ce sont des ensembles à contour flou musulmans en France. Nous sommes, en ce qui concerne la communauté juive, nous sommes également la plus importante communauté juive d'Europe, environ 10 fois moins nombreuses, entre 500 à 600 000 personnes. L'émergence que nous avons connue, nous, sur l'apparition d'un nouvel antisémitisme, effectivement, qui a eu lieu globalement l'occasion de l'intifada il y a une dizaine d'années, est liée et effectivement à des mouvements à l'intérieur du monde musulman. Évidemment, je n'ai pas le temps de reprendre les conditions économiques particulières qui font que le chômage touche de façon préférentielle dans une situation où l'économie a été plutôt désastreuse depuis une bonne trentaine d'années, touche beaucoup plus ces musulmans, ces jeunes musulmans qui sont tous venus en France et dont la plupart à une nationalité française, qui sont venus, dont les pères sont venus en France parce qu'ils ont été appelés par la République française pour travailler dans un certain nombre de métiers industriels qui ont été victimes ensuite de la récession. L'association de deux phénomènes qui ont été facilitation des moyens d'information et qui a mis en exergue le conflit israélo-arabe d'un côté, l'apparition d'un islam, de certaines formes d'islam sur lesquelles je reviendrai, qui sont des formes d'islam politique, j'en dirai quelques mots après, a fait que le nombre d'actes antisémites dans notre pays a très brutalement augmenté sous l'influence de ce que l'on a appelé ce nouvel antisémitisme, puisque jusque dans les années 2000 à peu près, nous n'étions habitués qu'à un antisémitisme en provenance de l'extrême droite. Ça ne veut pas dire que cet antisémitisme-là ait disparu. Alors, quels sont actuellement les conclusions que l'on peut en tirer? Je crois que l'une conclusion qui est fondamentale qu'on oublie parfois, c'est que l'immense majorité des musulmans de France aspirent à vivre dans notre pays comme d'autres traditions religieuses vivent dans notre pays. Ils aspirent que leurs enfants aient une meilleure vie et aspirent à se mouler à l'intérieur des règles de la République française. Ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qu'il faut essayer de développer. Cela étant, il ne faut pas rester non plus accroché sur les chiffres, parce que s'il y a un message, je crois, une leçon que nous ont donné les événements du XXe siècle, c'est que les drames, les tragédies et les dictatures, les bouleversements, ne sont pas effectués par des majorités, mais par des minorités actives. Par des minorités actives
des minorités parfois violentes et des minorités parfois fanatisées. Les bolcheviques ont été extrêmement peu nombreux. Les nazis ont été très minoritaires en 1928, ils étaient absolument minoritaires en Allemagne. Ceux que l'on appelle les radicaux en matière d'islam sont évidemment également très peu nombreux. Ça ne veut pas dire qu'il faille les négliger. Alors en matière de terminologie, j'avais écrit un article sur le sujet où je ne suis pas islamologue, mais j'ai essayé de lire ce que les islamologues écrivaient, et je crois que nous devons être très prudents sur les termes, sur les mots que nous utilisons. Quand nous parlons, je parle d'islamisme en ce qui me concerne, d'islamisme, lorsque je fais référence à une vision de l'islam où l'islam sortant de sa sphère, de la sphère privée, tend à demander à ce que les règles religieuses islamiques se transfèrent à l'ensemble de la société civile, c'est-à-dire à une vision politique de l'islam. Ça, c'est personnellement ce que j'appelle ce que j'appelle l'islamisme, et la distinction doit donc être claire. L'islamisme, de ce point de vue, s'il demande l'application de la charia à l'intérieur de la société civile ou dans certains fragments de la société civile, n'est plus compatible avec les règles qui sont les nôtres à l'intérieur même de nos pays. Ce que j'appelle l'islamisme radical, c'est le petit groupe de ceux qui veulent imposer cette vision du monde par tous les moyens, y compris par les moyens violents. Nous en avons eu quelques exemples, et il y a eu des tragédies en France sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir, tragédie de Toulouse, et je dois dire, pendant cette tragédie de Toulouse, d'avoir à côté de nous des gens comme Hassan Chaboumi, je dois dire, ça nous a fait énormément, énormément de bien, et nous avons regretté que ces gens, parfois, ne soient pas assez nombreux. Le terme qui est actuellement un terme en discussion, c'est le terme de islamophobie. Souvent, le terme de islamophobie est mis sur le même plan que l'antisémitisme. Pour revenir à l'antisémitisme, il y a eu une époque où on disait, évidemment, l'antisémitisme ne peut pas venir de l'islam puisque les musulmans sont des sémites. Ça, c'est une façon très contournée d'esquiver les problèmes. Pour le terme d'antisémitisme, tout le monde sait ce que c'est la détestation, la haine des juifs, point, c'est tout, et on n'est pas ici dans la linguistique. En revanche, le terme d'islamophobie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, théoriquement, c'est la phobie, la détestation de l'islam. Et de ce point de vue, la critique de l'islam. De ce point de vue, je crois qu'il y a une chose qui doit être interdite dans notre société. Il doit être interdit de critiquer des musulmans parce qu'ils sont musulmans. De la même façon qu'il doit être interdit de critiquer des bouddhistes parce qu'ils sont bouddhistes, des catholiques parce qu'ils sont catholiques ou des juifs parce qu'ils sont juifs. L'attaque sur des individus est contraire, je pense, aux valeurs que nous portons tous en nous, qui sont des valeurs européennes. Quant à la critique d'une religion, quelle que soit cette religion, je pense qu'elle fait partie de notre liberté. Attaquer une religion parce qu'on n'est pas d'accord avec un certain nombre des règles de ce qu'elle prétend, ça fait partie du débat. Effectivement, ce débat doit rester le plus honnête et le plus correct possible, de façon à ne pas humilier les gens qui participent à cette religion, mais je crois que le droit au blasphème, puisque c'est de cela qu'il s'agit, doit être un droit qui doit être préservé dans nos sociétés,
Nous avons en France les souvenirs historiques au cours du XVIIIe siècle d'hommes comme Angers, dont pour beaucoup d'entre eux Voltaire a pris la défense, et qui ont été torturés et mutilés pour des critiques sur la religion en tant que telle. Cette distinction me paraît très importante, très difficile, très difficile à faire remarquer. C'est aussi tout le problème des caricatures. Et je crois que dans nos sociétés, c'est une tradition qui, si elle n'est pas respectée, en viendra à une charge de plomb sur la liberté religieuse. Donc, voici un petit peu, je suis extrêmement réticent à l'utilisation à la mise sur le même plan de l'islamophobie et de l'antisémitisme, parce que je crois qu'elles proviennent de lieux divers et que, les mettre en parallèle ne sert qu'à alimenter la confusion. Maintenant, un autre point, et je terminerai là-dessus. Les religions en elles-mêmes subissent aujourd'hui des attaques dont certaines sont assez inattendues, je dois dire, et qui mettent en cause un certain nombre de leurs pratiques. Et de ce point de vue, l'islam et le judaïsme, qui ont beaucoup de pratiques communes, sont mises en cause de façon analogue. Je pense ici aux débats qui se sont institués sur l'abattage rituel, sur les conditions de cet abattage, les discussions sur l'anesthésie, l'anesthésie préalable ou pas. Vous connaissez ça très bien, puisqu'une grande partie de ces discussions ont eu lieu dans l'enceinte du Parlement européen, et je ne reviendrai pas là-dessus. Récemment, il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle polonaise a répondu à une question posée par une organisation de défense des animaux, que l'abattage rituel ne faisait pas partie de l'arsenal législatif polonais. Dont acte, je dirais. Cela signifie, je pense, qu'il faut que l'arsenal législatif de chacun des pays autorise l'abattage rituel pour raisons religieuses. Sinon, il faut en tirer les conclusions. Et elles sont extrêmement graves en ce qui concerne la possibilité préserver une diversité religieuse à l'intérieur de notre continent. Le deuxième exemple, bien entendu, et qui nous est commun aussi, c'est celui de la circoncision, partie d'une affaire en Allemagne où un enfant de 3 ans, je crois, un enfant musulman avait été converti, d'ailleurs circoncis sans aucune conséquence néfaste. On en est venu à une espèce de montée aberrante sur ce sujet. Il faut le dire très simplement, je pense en tant que médecin que circoncire un enfant, c'est lui augmenter ses chances dans l'avenir de vivre en réduisant un certain nombre de complications possibles. Donc je pense que sur le plan de la santé, c'est extrêmement positif. Ça, c'est une remarque de médecin qui est secondaire dans le débat. Je pense que si la circoncision devenait interdite ou bridée, ce serait fini d'une présence religieuse juive en Europe. Pour les musulmans, Hassan dira ce qu'il en pense, mais pour la présence religieuse juive, je vous le dis très clairement, que l'on soit un juif ultra-orthodoxe, moyennement orthodoxe, pas orthodoxe ou anti-orthodoxe, toute atteinte à la circoncision, ça signifie que les juifs feront leur valise et quitteront l'Europe. C'est clair. Donc je crois qu'il faut être conscient de cela et ne pas se lancer sous prétexte de vouloir résister à tel ou tel phénomène qualifié d'invasion. Il faut savoir résister à ceux qui veulent
ceux qui veulent entraîner un véritable combat contre des pratiques religieuses qui sont absolument indispensables. Je terminerai pour dire enfin que la situation est évidemment assez différente dans les pays d'Europe. Ce qui se passe en France ne peut pas être transcrit à ce qui se passe en Finlande, ce qui se passe en Europe de l'Est, ce qui se passe en Ukraine et dans des pays qui sont européens géographiquement, même s'ils n'appartiennent pas à l'Union européenne. Chaque pays a ses spécificités. On sait aujourd'hui qu'il y a une émergence, vous le savez mieux que quiconque, de mouvements populistes dans certains pays européens, de mouvements populistes qui portent en eux des germes de rejet et de xénophobie. Il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ces mouvements, même quand ils apparaissent plus ou moins anodins dans leur première expression. Et je crois que la crise venant, c'est un danger auquel nous devons tous être extrêmement sensibles. Les anciens démons d'Europe n'ont malheureusement pas encore disparu. Merci. Thank you, Mr. Presti. And now I give the floor for the second speaker, Mr. Hargumi. And I think that we take all these speeches together, and then after that we have a discussion. Okay, Mr. Hargumi. Bonjour, et merci énormément pour l'invitation. Je remercie beaucoup aussi M. Pasquier. Je trouve le sujet est très important. Comme il vient de le dire M. Pasquier, comme quoi la majorité, le plus important communauté musulmane en Europe, c'est en France, qui dépasse 5 à 6 millions officiels, mais le reste. Et la plus importante aussi communauté juive en Europe, il est en France. Il y a un mélange beaucoup entre l'islam et l'immigration. Des problèmes de la migration, la délinquance, d'autres, l'intégration, et aussi avec la. En général, malheureusement, en Europe, plus les musulmans ils ramènent des coutumes que de la religion. Il y en a leur origine différente, quelle que soit l'origine. Et je trouve malheureusement l'importation de conflits quand je commence à dialoguer. Dernièrement, l'un des efforts qu'on a voulu faire pour le rapprochement, c'était de ramener 17 imams, français la majorité, d'origine différente. D'origine marocain, algérien, tunisien, comorien, africain, Mali, Sénégal, de mauricien, tout ce monde-là, ils étaient 17 imams, on est parti en Israël, c'était un voyage historique, inédit, on est parti à Ramallah aussi, pour montrer premièrement que les musulmans, en général, en Europe, en France surtout, ne sont pas miracles. C'est des cas isolés, malheureusement, il y a un autre combat. Ça, c'est le message. Et deuxièmement, c'est un message d'espoir. Malheureusement, c'était un moment un peu dur. C'était un peu difficile. Et en même temps, le voyage était tellement montré. On est là pour dire non, personne, chaque citoyen en Europe, ou surtout en France, de ne pas emporter leur conflit. C'est le contraire. Il faut exporter cette amitié. L'amitié qui existe en France. On a essayé de le montrer, on était à Ramallah, reçu par l'autorité, le premier ministre palestinien, tout ce monde-là, qui c'est, comme on dit, la voie du dialogue, la voie de l'espoir. Il y en a certains même, ils m'ont posé des questions. Si les hommes politiques, ils n'arrivent pas, est-ce que vous croyez les imams, ils arrivent, ou les religieux? Je lui dis, Moïse, il a fait sortir le peuple d'Israël de la misère vers la liberté. Malgré Moïse, il ne porte pas des armes, il porte la paix et l'espoir. Je lui dis, peut-être le bon Dieu, qu'on le croit, et le Dieu de toutes ces familles, la famille de livres, Ahlul Kitab, chrétiens ou juifs ou musulmans, il peut nous regarder avec le cœur d'avoir l'espoir pour demain. Et c'était aussi un voyage formidable en Israël. C'est la première fois en Israël, 17 imams français, européens aussi, c'est une fierté européenne, de faire la visite. On a vu, c'était une rencontre très formidable avec le président Pérez, avec l'autorité religieuse, le grand rabbin, avec 1,5 million d'Israéliens arabes. Musulmans, des imams, il y avait druzes, c'était vraiment un échange fort, médiatique, parler
pour, malheureusement, à la fin, c'était un peu difficile, mais l'espoir elle était plus fort. Le retour en France aussi, on essaie de faire développer ça pour aller à Toulouse, à Marseille, d'ouvrir plutôt ce travail. Je trouve avec le dialogue et de ne pas emporter le conflit. Et aussi, on a confirmé que le conflit il est politique, il n'est pas religieux. Et là, on a vu la sincérité et volonté entre les gens de Ramallah, tout côté palestinien, et entre les citoyens et la population israélienne. Il y avait une demande forte pour la paix, pour vivre ensemble, pour avoir deux États qui vivent en harmonie. Je trouvais ça, c'est l'un des moyens que je demande aussi à l'Europe en général, tous leurs citoyens d'autres origines, au lieu d'emporter les conflits, quelle que soit leur origine, il faut exporter cette amitié, développer l'Europe et devient. Ça, je trouve, par rapport à... Et malheureusement, les préjugés, l'antisémitisme en général, ils viennent de préjugés, ils ne connaissent pas l'autre. Vous savez, 6 millions, la majorité, ils sont nés en France, presque. Il n'y a pas une connaissance de l'islam. Les minimoras, c'est l'ignorance, al-jahl en arabe. L'ignorance, il joue un rôle énorme. Deuxièmement, ces jeunes qui sont nés en Europe, ils ne connaissent pas leur pays d'origine. La culture, la langue, ça joue. Ça fait qu'il est presque rejeté indirectement. Ils ne reconnaissent pas autant que. Et de retour à pays d'origine, quelle que soit la France ailleurs, il y a certains quartiers ou villes, il y a des problèmes de concentration. Comme j'ai vu un homme d'affaires franco-israélien, il est né en Israël, d'origine marocaine, il est né dans une ville très pauvre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je suis né dans cette ville, au début il y a des problèmes de concentration. Et à la fin, il y en a des, pardonnez-moi, des délires, il y en a tel. Mais ce n'est pas à cause de la religion, c'est à cause de la mauvaise politique. Et maintenant, il a dit, regardez, je suis un grand homme d'affaires mondial, c'est un citoyen, et il a fait beaucoup d'actions au niveau de... Moi, je trouve aussi, c'est très important, c'est pas à cause de seulement, malheureusement, le dérive sectaire de la religion, mais aussi, ça joue aussi. Dans son retour en France... Il n'est pas reconnu en tant que citoyen, il y a quelques quartiers, le racisme, il y a des problèmes sociaux. Et ça fait que quand on cherche ses repères, l'identité, il trouve l'islam. Je suis musulman. Et quand on cherche dans sa religion, il ne connaît rien de sa religion. Et là, il va chercher la cause plus médiatique, c'est Palestine. Israël, le conflit. Et là, il se trouve avec des sites internet, malheureusement, de haine, de propagande, qui sont plus influence politique étrangère, l'Iran et d'autres. Et aussi, c'est un moyen de finance, ramasser l'argent. Parce que simple citoyen, dans sa tête, peut-être la religion, haïr les juifs, soutenir les palestiniens, garantir le paradis, comme il a fait Mira. Et ça, ce sont une minorité. Je trouve comment on peut lutter avec le dialogue, favoriser. Entre les concitoyens de, très important. Deuxième chose aussi, lutter contre l'importation de conflits. C'est un conflit politique, il n'est pas religieux. Et la troisième, l'autre, comme je le dis dernièrement aussi ici, le même endroit, que nous, les citoyens musulmans français européens, nous sommes otages entre racisme et intégrisme. Oui, il y a l'intégrisme. Malheureusement, ce sont les minorités, l'ACMI, d'autres. Vous savez, les groupuscules extrémistes qui sont ailleurs, en Afghanistan, au Mali, ils recrutent beaucoup en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes naïfs. Ils ne connaissent rien de la religion, ignorants. C'est un cible facile à les récupérer avec leurs moyens, passeport européen, facile, et les moyens de finance. Ça fait que, vous voyez, il y a quelques jeunes qui sont en Syrie maintenant. Avec l'ACMI, il y en a quelques-uns aussi qui sont au Mali, il y en a qui sont en Irak et ailleurs, et ça c'est le minimum, hein, avec les sites internet qu'on laisse, comme le collectif Cheikh Yassine, c'est un site de haine, et d'autres sites. Ça c'est une chose. La deuxième chose, je trouve c'est très important, la liberté en Europe, c'est un exemple. Maintenant les pays arabes, ils attendent beaucoup de l'Europe. Un exemple, c'est pas question de finance, de morale, de montrer l'exemple. Je trouve la liberté de culte, la liberté religieuse, c'est très important. L'Égypte, elle attend. La Tunisie, elle attend. La Syrie, j'espère que la situation sera mieux. Tous ces peuples, toute cette révolution, elle attend de nous un exemple. Et qu'on fait des lois d'interdire des pratiques religieuses comme celle, l'abattage rituel pour les musulmans et les juifs, là, je trouve on met des difficultés à la minorité religieuse, comme au Copte en Égypte et d'autres, et on devient malheureusement peut-être récupéré par des fanatiques et d'autres. Et comme il a dit M. Prasquier, je suis sûr et certain, le jour où il y aura une interdiction par rapport à l'abattage rituel
pour les musulmans en France, je ne crois pas que, malgré, même pratique pas, il ne fait pas la prière, il ne fait pas les rituels, mais par rapport à manger halal, l'abattage rituel, il devient très très important et peureux. Je trouve que l'Europe, au lieu de certains, malheureusement, ils essaient de voir, faire des lois par rapport à ça, pourquoi on ne lutte pas contre l'ingérence étrangère? S'ils sont des citoyens européens, français, eux, ils méritent d'avoir leur liberté sans ingérence. Là, on stoppe l'ingérence du régime iranien, on stoppe l'ingérence d'un pays comme celle de Qatar, et d'autres, de lui dire, vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas, malheureusement, au merci de ces pays. Ça, c'est important. Deuxième chose aussi, de lutter contre des sites Internet qui existent en Europe, surtout en France, il y en a quelques-uns. Ça, c'est des sites Internet qui, malheureusement, il y aura des jeunes victimes et qu'il essaie de déstabiliser avec une chose. Et aussi, si on compare entre cette haine contre, malheureusement, récupérée par des fanatiques, haïr la communauté juive, l'antisémitisme, parler, banaliser aussi la Shoah, vous savez, ces 17 imams, ils étaient devant Yad Vashem, et tellement ils ont regardé les images, le terrible, la haine, on a senti vraiment que l'être humain, il a perdu son âme, il a perdu son cœur. Et à la fin, toutes les imams, ils n'arrivent pas à parler, ils ont dit, croyez-nous, si on était dans ce moment, on risque notre vie pour protéger ses enfants. C'était ce sentiment de l'être humain, de manie. Deuxièmement, le racisme, il monte. Oui, il y en a en France, malheureusement, comme le bloc identitaire. Ils ont attaqué une mosquée à Poitiers. Ce racisme, il est lié avec quoi? Quand ils mélangent la religion et l'islam et l'immigration. Et aussi, malheureusement, il y en a certains discours, récupération des effets de fanatiques pour des fins politiques. Ça fait des dégâts chez les concitoyens, avec la politique de la peur. Et je trouve, non, la majorité de nos concitoyens français ne sont pas racistes, il y a une minorité, et la majorité des musulmans français ne sont pas des immigrés, ce sont des citoyens, et les intégrismes, ce sont une minorité. Là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Moi, je trouve, priorité d'Europe, penser que ce sont co-citoyens, ce sont des citoyens à part entière, il faut penser à leur avenir, formation des imams européennes, stop à l'ingérence étrangère, tous ces pays d'origine, on peut avoir fierté de nos pays d'origine, nos enfants 3e ou 4e génération, mais quand même, nous sommes des citoyens pour avoir un islam européen. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Hagoumi. And then our third speaker, Mr. Markoli Rabbi. Markoli, floor is yours. Distinguished guests, distinguished colleagues, partners, our dear host, there is no doubt in my mind that all of us here firmly believe, each according to his or her faith, that religion is a source of ethical behavior, mutual respect, and brotherhood among all of mankind. Unfortunately, we live in an area where religious misinterpretations are used by various groups to turn religious and faith from a source of peace between all people into a source of hate and violence. Especially in this time of economic struggle, we come to see all across Europe insidious violence and intolerance acts against minorities and immigrants. These hate crimes are often done in the name of religion, although, as we all here know, there is nothing religious about hate. Unfortunately, not too long ago, Europe has known dark days of intolerance and hate. We all know the relation between economic crisis and the prosperity and anti-Semitic groups as well. It happened in the 1940s, and it can unfortunately happen again if you won't do anything about it. The creation of the European Union has indeed helped a great deal in promoting peace and tolerance among the population across Europe, and has been rightfully recognized for this effort by winning the Nobel Peace Prize. However, as long as governments fail to promise the basic right of the citizen to live in peace under their beliefs, the European Union still cannot truly feel proud for winning the Nobel Peace Prize. As our guest, Mr. Praskier, mentioned, a few days ago, Poland have joined to the unlikely countries
who not respect the freedom of religion. This will be the court case that not allowed anymore the Jewish and halal ritual slaughtering in Poland. This is a real shame. Today, 2013, we can still see countries in Europe where there is no a real freedom for religious. I would say that the responsibility is not on the population of Poland, but right now it's only the European Union and institutions and the Parliament have the full responsibility to fix the constitution and the law, to make sure that all the countries across Europe, Jewish, Muslim, Christian, everybody will be able to live in a freedom of religion. And I would like to take this opportunity today to call our dear host, Mr. MEP Hanno Takula, and my fellow religious leaders seated in this room, that I think that this is the time to establish a European Inter-Religion Council, which should be also this parliamentarian council, this European Parliament, that will help assure that all religions will coexist in harmony and serve their true purpose, promoting peace, tolerance, and prosperity between all mankind. Thank you very much for coming. And I do hope that very soon we'll be able to share only good news and we'll be able to show that the situation is really going to be changed. Thank you very much. Well, first of all, thank you, Mr. Takula, for hosting this event. I really hope that the religious communities in the world, and especially in Europe, have more leaders like you, Mr. Shalgumi, and like you, Mr. Breskian. Thank you very much for coming. If you allow me to open a little bit the focus of the discussion, the fact is that the majority of the population of the world follows certain religion. All the Western societies recognize the concept that politics and religion cannot be mixed, which personally I am a partisan of that, because at the moment that you take one side of an argument and you canonize it, you make it religious, you make it irreversible and impossible to resolve. But at the same time, the fact is that religion brought a sense to people, and through a democratic sense, people search for religion. Majority of the world is searching for some meaning in their lives. Therefore, I see that the religion nowadays should be a tool to bring a more prosperous future. Instead of letting the radicalist or fanatics within religion taking the main stage, perhaps people like you should take the stage and say that religion is not against reason, religion is not against respect of humanity. After all, every religion came to take care of their own people, to bring prosperity to their people, but every religion had also a view for humanity as a broad picture of the world. So I think that nowadays we need people like you that should have religious honesty to take a step, to change certain things for the future. Perhaps we can learn of leaders of religion in the Middle Ages that they were brave enough to share with each other knowledge, to have interfaith dialogue, and to show the people that we can live together. We don't have to copy and repeat and copy-paste the values of those times, but we can definitely copy the courage and the honesty to approach, to take that step. Actually, if you look at the Bible or any other religious book, we all recognize that the human being comes from God. Indeed, even according to science, we all are one family. There is a scientific Adam, and there is one religious Adam and Eve. So why not should religions start understanding that we are all one family, because we are. And as you said very much, the respect of human life, that was always a primordial cause. So I think more voices in the religious world should turn to understand how to see together and how to see a different future.
It's clear that this century, this century will be a religious century for any political reasons or social reasons that caused that development. Fact is that we have it there. Majority of the world is waiting from religious leaders to hear the mission. What are the next steps? So I think we have to take that responsibility in our hands. Each one, especially people like you or people all around the world and in Europe, they should take that responsibility and make out of religion something so special that brings reason to society, brings understanding. I am sure God is definitely happy to see that his children, that human beings are sitting together and enjoying a nice conversation instead of seeing them fighting with each other. Well, definitely, I really hope that all your efforts, they bring fruits and that we should definitely have a prosperous future. Thank you.